Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis, chers frères et sœurs. Vendredi dernier, une triste nouvelle nous est arrivée. C'est la nouvelle du décès de notre sœur Pierrette Cantinole. En cet après-midi, Dieu nous a permis de nous rencontrer en ce lieu. Il nous a aussi permis de nous voir par Internet, je crois. Nous venons en ce jour, en cet après-midi, témoigner de notre affection, de notre amitié et apporter le réconfort à la famille endeuillée. Nous savons que nous avons un Dieu d'amour et que son amour infini, notre Dieu créateur, nous console, il nous réconforte. Il réconforte celles et ceux qui sont affligés, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 34, au verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Amen. Soyons de tout cœur avec la famille et avec les amis de Pierrette. Nous allons lire dans la parole de Dieu le psaume 91, les versets qui suivent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses bras, sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Allons nous prosterner pour la prière. Pour rester debout. Notre Père, notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, nous voici à cet instant réunis pour cette circonstance. Nous te demandons à cet instant de nous voir tels que nous sommes, fragiles, mais avec la certitude que tu te tiens près de chacun d'entre nous. Veuille toi-même prendre la direction de ce programme et veuille permettre que tous nous puissions être consolés à cet instant. Tiens-toi près de chaque membre de la famille, près de chaque ami. Il veut permettre qu'en toutes circonstances, malgré les circonstances, ton nom soit glorifié, car nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La séparation est dure et la séparation nous laisse parfois sans voix et faible. Il est donc nécessaire
de nous souvenir des paroles d'espérance à Betty, Albert, Leslie, Eric, aux membres de la famille et à chacun d'entre nous. Rappelons-nous ces paroles d'espérance. Car ses bontés ne sont pas épuisées, sa fidélité et sa compassion n'ont pas de fin. C'est une parole du Seigneur. C'est une parole d'espérance. Sa parole est notre réconfort et notre soutien. Notre Dieu ne nous laisse jamais dans l'ignorance. Il est notre ferme assurance. En lui, nous avons une espérance sûre. Notre présent, notre avenir sont dans ses mains. Très bientôt, il viendra nous réunir. Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nous, bien plus. Il est ressuscité. Il veut passer l'éternité avec nous. C'est une parole du Seigneur. C'est une parole d'espérance. Au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ se révéleront d'abord. C'est une parole d'espérance. C'est une parole du Seigneur. Nous les vivants qui restons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu. Encourageons-nous, consolons-nous les uns les autres par ces paroles. Oui, les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Regardons avec confiance notre avenir. Très bientôt, Dieu nous invitera à l'enterrement de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce, 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 alléluia! Grâce de Dieu qui nous donne la victoire. La victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Je vous invite à entonner avec nous les paroles du numéro 392 de Canaan. Quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous? Christ nous appelle tous. Près de lui, doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh,
Voilà, j'ai donc le privilège cet après-midi de vous lire une biographie exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'elle a été écrite par Pierrette. Alors qu'elle était chez elle, entourée de ses enfants, recevant de tendres soins de sa fille, de sa petite fille et de son gendre, elle a décidé d'écrire sa biographie. C'est donc une très bonne idée, n'est-ce pas? Et j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, il faudrait que je m'y mette aussi. Voilà, alors soyez donc tout ouïe pour pouvoir écouter cette biographie écrite par Pierrette. Anti-nouvelle, dit Pierrette. Ça va? Tout le monde entend? D'accord. Ce 25 août 1926, il y avait une grande effervescence chez le couple Pierre et Étienise Griffard au quartier Hermitage à Fort-de-France. Un heureux événement était attendu. La naissance de leur premier-né. Ils attendaient un fils qui, comme son père, se nommerait Pierre et que, selon la coutume, on appellerait Ti-Pierre. Et ça irait bon train. Mais lorsque bébé poussa son premier cri et que la sage-femme s'exclama, « C'est une adorable petite fille !» Au lieu de la joie qu'elle attendait, ce fut un moment silencieux. « Quoi? Vous n'êtes pas content ?» dit-elle. « Si, mais nous n'avions pas prévu le prénom féminin. »« Eh bien, appelez-la Pierrette !» répondit-elle. Et ce fut fait. Voilà comment est arrivée Pierrette, que vous connaissez et que d'autres qui n'y sont plus ont connu. Je ne suis pas restée unique, loin de là, juste l'aînée d'une fratrie de 7, 3 garçons et 4 filles. Mes parents étaient très croyants et moi aussi, mais un moment arriva où je me posais des questions sur des sujets spirituels qui restaient sans réponse. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est ainsi que, curieuse de nature, j'ai scruté, étudié, et depuis le 12 avril 1942, j'avais donc 16 ans, je chemine avec mon Dieu sans jamais lâcher sa main. J'ai un amour sans limite pour mon Seigneur et Maître, mettant à son service pendant de longues années mes capacités en œuvrant dans les sections enfantines et explorateurs. Je suis heureuse de savoir qu'un grand nombre de ceux qui en faisaient partie sont maintenant des serviteurs et des servantes dans l'Église. Aujourd'hui, j'ai donc voulu vous dire quelques mots sur le voyage qui a commencé depuis 1942 et qui s'achève actuellement en 2023. À mes enfants Eric et Betty, à mes petits-enfants Séverine, Sébastien, Leslie, Manilette, Alexandre, à mon gendre Albert, à mon grand, comme j'aimais l'appeler, à ma belle-fille Marie, à mes sœurs et frères, mes beaux-frères et belles-sœurs, mes neveux et nièces, à tous mes proches, si vous êtes réunis à écouter la biographie préparée par mes soins, c'est que Dieu a souhaité que Pierrette se mette au repos. Donnons-nous donc rendez-vous au pied de l'arbre de vie dans notre Jérusalem céleste. Mais cette fois,
pour ne plus jamais nous séparer. C'était Antipouvelle, dit Pierrette. Bonsoir à tous. Comme disait Josette tout à l'heure, c'est vraiment une circonstance toute particulière qui nous réunit cet après-midi. Nous remarquons une chose, c'est que la plupart du temps, c'est souvent lorsque quelqu'un décède qu'on dit beaucoup de bonnes choses de la personne. C'est bien dommage, mais ce soir, ce n'est pas ce que je vais faire, parce que pendant le vivant de Pierrette, j'ai eu l'occasion de l'aborder et de lui parler, de lui dire ce que je pensais d'elle et ce que j'appréciais d'elle. Pierrette, je l'ai connue depuis mon enfance, c'était une personne très missionnaire, depuis son tout jeune âge. Je l'ai connue, elle était d'abord représentant évangélique, ce qu'à l'époque on disait colporteuse. Et c'est ainsi que je l'ai connue, parce qu'elle passait, vous savez, les colporteurs auparavant, ils passaient souvent dans les maisons quand il était midi ou bien en fin d'après-midi. Alors là, c'est ainsi que j'ai connu Pierrette dans mon enfance. Et comme elle a toujours été au temple de Reb, et c'est là que, pour ainsi dire, j'ai toujours été, elle a été une monitrice pour moi, monitrice de l'école du sabbat, et même dans les réunions de jeunesse. L'après-midi. Mais ce que j'appréciais beaucoup chez elle, c'était son dévouement vraiment pour s'occuper des enfants et des adolescents. C'est ce qu'elle a fait de nous. Et c'est d'elle que je tiens ce plaisir, même ce désir de travailler à l'église, parce qu'elle a vraiment œuvré dans toute sa vie, même quand elle était déjà un petit peu planchant, elle continuait. Voilà l'image que Pierrette a laissée pour nous. Et ce que je pourrais vous dire, alors il y a Betty, Leslie, Albert, Eugénie, Yvette et Mireille. Je n'ai pas vu Roger, ça fait rien, tu lui diras. Tout ce que je peux vous dire, Pierrette, pendant son vivant, a laissé de bonnes traces. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, parce qu'elle a laissé les traces du Sauveur qu'elle a rencontré depuis sa jeunesse. Et gloire à Dieu, si aujourd'hui, grâce à elle, beaucoup d'entre nous à l'Église, nous avons suivi ses traces en étant très missionnaires à l'Église. C'est ce que je voulais dire de Pierrette. Je vous salue tous fraternellement dans le beau nom du Seigneur Jésus. On dit, la sœur vient de dire que c'est quand les personnes meurent qu'on ne dit que des bonnes choses. Mais vaut mieux retenir les bonnes choses et effacer les choses qui ne sont pas bonnes. Eh bien, je l'appelais Tati Pierrette parce qu'elle était mariée au frère de ma mère. Donc je l'appelais Tati Pierrette. Donc au niveau de ma famille, tout le monde l'appelait Tati Pierrette. Mais ces derniers temps, il y a quelques années, je ne l'appelais plus Tati Pierrette, je l'appelais Pierrette pour l'embêter. Donc oui, je vais dire que de bonnes choses. Et il faudrait que nous apprenions à nous dire mutuellement de bonnes choses. Un amen pour ça. Amen. Alléluia. Donc, Pierrette, moi, j'ai décortiqué par la grâce de Dieu, mais le P, c'était une passionnée par la parole de Dieu. Et
paisible elle était. Et parfois je me demandais, je me posais la question, je me disais, est-ce que Pierrette était gagné les autres? Est-ce que votre maman vous donnait la fessée? Parce qu'elle était tellement douce, tellement calme, qu'on a l'impression qu'elle ne se fâche. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé alors. Donc passionné par la parole de Dieu, paisible aussi elle était. Le I. Je reconnaissais en elle une femme intelligente. Et un I encore, instruite. Alléluia. Le E. Elle était éloquente et encourageante. Lorsque vous approchez de Pierrette, c'était que des mots d'encouragement. C'était une dame réfléchie. Très réfléchie, je dirais. Elle était respectée. Pas de gros bruit, mais lorsqu'on s'approchait d'elle, on était obligé de lui donner le respect. Un autre E, encore. Efficace dans l'art d'enseigner la parole de Dieu. Et la sœur vient d'en témoigner de ce qu'elle faisait au niveau de son église. Un T, tendre. Oui, parce qu'elle t'a dit, t'es qu'à véhiculer que la tendresse. Mais qu'à quoi que vous soyez, personne ne peut pas dire le contraire. Un autre T encore, tolérance dans le sens où elle acceptait l'autre avec sa différence. Ça ne peut pas dire non plus. Le dernier E, c'est-à-dire espérance du retour de son sauveur, la sœur l'a noté. Espérance du retour de son sauveur, Jésus, et de la nouvelle terre. Elle avait l'art et la manière de dépeindre ces deux tableaux. En gros, vous savez que Tati, tu peux être. Vous avez mis Tati, même président de la collectivité, président de la collectivité, pourquoi pas? Et oui, lorsque la sœur a lu la biographie, elle a dit que c'est Tati qui a écrit la biographie. Je dis, ouais, ça c'est Pierrette qui peut faire bien comme ça. Eh oui. Oui, elle était poète à ses yeux perdus. Et elle avait toujours le mot d'encouragement. Et je me souviens lorsque j'ai pris ma fonction au niveau de l'église, elle avait toujours un petit présent. J'ai eu le temps de recevoir des bouquins de sa part. Et comme je vous le disais au début, vraiment beaucoup, beaucoup de mots d'encouragement. Mais je fais partie de ces rares privilégiés à qui elle a écrit un poème concernant ma consécration au niveau de l'Église, ma consécration en tant qu'ancien d'Église et aussi en tant que diacre consacré. Je ne saurais vous laisser sans ne pas vous dire comment il y a que Tati m'est au top dans l'art de l'écriture. C'est pour ça qu'on m'a dit que Tati, elle a toujours gardé cette humilité-là, mais Tati, nous avons mis Tati à leur niveau. Autrefois, de nouveau, je me croyais le maître. Indépendant et fier, je suivais mon chemin. Mais quand Jésus parut, sa grâce en moi fit naître un homme tout nouveau qu'il forgea de sa main. Et les choses d'antan, honneur, talent, richesse, ne furent plus pour moi que poussière et néant. Car en Christ, j'ai trouvé la paix et l'allégresse. Mon âme désormais de lui seule assoiffée ne saurait s'abreuver aux sources d'ici-bas. C'est de l'amour divin qu'elle est désaltérée. Cet amour infini qui seul ne déçoit pas. Et mon âme se plie à ta volonté sainte, ô toi qui de ma grâce a adouci les eaux. Toi qui de l'amour même a banni toute crainte, transformant nos bacas en limpides ruisseaux. Et tu changes, mon Dieu, dans ta miséricorde, toute perte en profit, tout sacrifice en gain. Quand je me vois vaincu, ta grâce alors m'accorde une pleine victoire, un triomphe certain. Que pourrais-je donner, ô toi que mon cœur aime? Moi, le pauvre indigent qui reçut tout de toi, en échange du don de l'amour suprême qui fit de moi, pécheur, l'enfant du roi des rois.
Non, ta Titanic. Sur l'autel des parfums, comme le feu consume, tout l'encens précieux qu'on vient y déposer. Que jamais ton enfant d'autres tâches n'assume que de servir son roi, l'aimer et l'adorer. Que mon être entier en une seule offrande, pour la mort ou la vie, à toi seul consacré, vers tes seuls intérêts, ta seule gloire. Tente que chacun de mes jours te soit un jour sacré. Et pour terminer, que même dans l'emploi des choses de la terre, tout ce que je possède, argent, force, santé, soit toujours sous ta main, contrôle salutaire, et pour le temps présent, et pour l'éternité. Alléluia. Ah ouais, tati, moi, t'es posé niveau, là. Je vais terminer pour vous dire qu'il y a un auteur qui disait que la mort laisse une peine que personne ne peut guérir, mais l'amour laisse un souvenir que personne ne peut voler. Bonsoir à tous. Il y a des personnes qui impactent notre vie. Et ce continent a impacté ma vie ici-bas. Et c'est pour cette raison que je l'appelle plus ce continent. Mes mamans. Mon épouse et sa famille l'ont connu depuis bien longtemps, depuis même leur enfance. Betty, Eric habitent le même quartier et ils ont tissé des liens et ils sont devenus même une grande famille. Au point qu'ils ont fusionné pour créer les chants de David. Moi, j'ai connu maman sur Cotinol il y a bien des années. Lors de mes fiançailles, j'ai beaucoup échangé avec elle. Si bien mon épouse et moi, nous lui avons remis totalement l'organisation. Ma mère, elle ne connaissait rien du fonctionnement de l'église. Ma belle-mère, elle-même était déjà décédée. Et ma tati, sur Pierre-Charles, qu'on connaît bien, était hors du département. Donc ça faisait l'occasion pour qu'elle puisse tout gérer de A à Z. Je peux vous dire, s'il fallait recommencer, je ne serais pas recommencé avec elle. Mon épouse et moi, nous avons reçu non seulement sa bénédiction, mais ses précieux conseils, son aide, son soutien moral et par-dessus tout, tout son amour. Maman était ma confidente. Ma conseillère, une personne de référence, mon tuteur, et en tant qu'ancien, en tant que dirigeant d'église, elle m'a beaucoup apporté. Quand j'avais des soucis, des interrogations, des problèmes à résoudre, je savais vers qui me tourner. Oui, c'est vrai, moi, je dis, prie Dieu, mais avec elle. Avec sa sagesse, sa tendresse, son humilité, alors je peux vous dire, je savais quoi faire. Et depuis lors, souvent, on revenait vers le frère Odoutmaye, mais le frère Odoutmaye allait toujours puiser sa source auprès de Sœur Cotinol. Oui, elle a été même un pilier pour l'église d'Oreb. Tout le monde, sans exception, l'aimait. On l'appréciait à sa juste valeur.
Et ce que j'ai vu chez elle, qui m'a beaucoup touché, c'est sa persévérance dans la prière. Et elle a été récompensée lorsque son mari a dit oui, il accepte Jésus comme sauveur personnel. Vous ne pouvez pas imaginer sa joie qu'elle cachait quelque part, mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'elle avait de voir papa s'adonner à Jésus. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, et le pasteur dira très peu, car je prendrai tout son temps. Car j'ai envie de remercier maman et surtout le Seigneur qui m'a permis de la rencontrer et d'acheminer avec elle. Il y a eu cette complicité entre nous et j'ai une pensée pour le frère Placide, pour ceux qui le connaissent. Lui marchait sur les yeux tellement qu'il était près de son Dieu. Vous savez, pour maman, son vœu, c'est que tous puissent connaître Jésus et surtout l'accepter comme sauveur personnel. Elle était toujours en prière et elle pensait très fort à sa famille. Je vais m'arrêter là en disant, quand elle a vu sa petite fille, Leslie, elle dit, mais gâtez Chabine. Et depuis lors, je l'appelle comme ça, ma Chabine. Chers amis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, puissions-nous suivre cet exemple de cette femme dévouée à son Dieu, aimant tout à chacun. Et puissions-nous très bientôt, lorsque Jésus reviendra, nous retrouver ensemble, afin que nous puissions partager ce bonheur avec notre Seigneur. À Eric et son épouse, à Betty, à Albert, à ses sœurs, ses neveux, ses nièces, à tout à chacun, je ne peux vous souhaiter qu'une bonne chose. Je ne peux vous souhaiter qu'une seule chose. Je ne peux vous souhaiter simplement de persévérer. De persévérer dans l'amour de Dieu. Et que sa paix, chaque jour, nous unisse. Et que ce commandement nouveau puisse nous permettre de nous aimer. Et que nous puissions voir maman, nous puissions nous voir quand il reviendra. Que Dieu nous bénisse.
oublier ta peur. Il pourrait si bien sécher tes pleurs. Il sait, il a souffert aussi. Il saura ce qui est bien pour ta vie. Puis sois fort et c'est toujours avec tristesse que nous approchons de moments comme celui-là. Quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre position théologique ou philosophique, la mort ne nous laisse jamais indifférents. Cependant, au nom de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, au nom de l'Église d'Oreb, avec son pasteur, pasteur Luciat, je voudrais pouvoir exprimer à la famille nos plus sincères condoléances. Nous croyons, cependant, dans la Bible qui présente une espérance face à la réalité de la mort. En effet, mesdames et messieurs, chers amis, la mortalité de tous les humains est un fait avéré. Ce que l'Ecclésiaste affirmait dans son livre au chapitre 9 et au verset 5, quand il disait « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. » Souvent, quand un chef romain revenait de la guerre, c'est
soldats ou ses généraux lui soufflaient à l'oreille cette phrase latine « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Il le leur disait pour qu'ils évitent de s'enfoncer dans les sables mouvants de la vanité et de l'orgueil. Et à tous les autres, elle servait cette parole de piqûre de rappel. Souviens-toi que tu vas mourir. N'oublie donc pas de vivre. La question cependant qui s'impose à nous aujourd'hui, chers amis, est la suivante. Quel est le sens de la mort? De la mort qui en fait nous rassemble ici en cet après-midi. La meilleure réponse que je pourrais vous proposer est celle que nous trouvons dans la parole de Dieu, la Bible, la parole inspirée. En effet, dans la 91e division du livre des psaumes, le psalmiste pose le problème de la mort et y apporte quelques pistes de solution, de réconfort. Voilà ce qu'il dit, ce texte qui vous a été lu il y a un instant. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est son bouclier. Sa fidélité est ton bouclier, pardon, et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La vie de notre sœur Pierrette Cantinol ressemble étrangement au sentiment exprimé dans ce psaume. Ce cantique à l'honneur du Créateur. Oui, il est bon de placer sa vie à l'ombre du Tout-Puissant. Telle a été l'expérience de notre sœur. Elle a consacré sa vie à Dieu. Son temps, ses énergies étaient tournées vers le service. Et Dieu a accompli sa promesse envers elle, en la protégeant, en veillant sur sa famille. Dieu va jusqu'à dire à elle et à chacun d'entre nous, « Je le rassasierai de longs jours », indiquant ainsi la menace de la mortalité de tous les humains et le caractère presque incontournable de la mort dans le contexte de ce monde de péché. Cependant, chère famille, le psalmiste ajoute, en terminant son propos, les mots suivants. « Je lui ferai voir mon salut. » Ceci représente pour moi, chers amis, la plus belle promesse que Dieu puisse faire à un homme ou une femme. Je lui ferai voir mon salut. Alors, chers amis, chers parents, mesdames et messieurs, selon la révélation biblique, la mort n'est pas la fin de toute chose. En effet,
Jésus affirme, il affirme lui-même, quand il considérait la mort et il parlait de son ami Lazare, quand il disait « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Et puis il terminait dans Jean chapitre 11 au verset 25, il terminait en disant « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et puis il pose la question à Marthe qui l'écoutait ce jour, mais qui est valable pour nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis. Crois-tu cela? C'est pas évident de croire quand on a devant nous une dépouille et de penser ou d'anticiper à la réalité de la résurrection. Et pourtant, Dieu nous donne suffisamment d'éléments pour que nous puissions accrocher notre espérance sur la promesse de Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La Bible, la révélation divine aux humains, affirmera plus tard, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, selon Apocalypse 14 au verset 13. Alors, chère famille, chers frères et sœurs de la communauté adventiste, mesdames et messieurs, notre sœur a marqué de son empreinte le développement de l'église adventiste à la Martinique. Elle a sillonné les rues en tant que colporteuse et portant la bonne parole. Son implication au sein de l'église adventiste d'Horeb a été exemplaire. Son espérance de la résurrection en Jésus-Christ est réel. C'est lui, Jésus, qui est le sauveur des humains. Celui qui disait alors qu'il était encore sur la terre, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, il disait ce jour-là, « Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Elle a partagé cette espérance avec tous ceux avec qui elle était en contact, avec ses amis, ses voisins, ses enfants. Aujourd'hui, notre sœur se repose dans l'attente de l'appel de son Sauveur. Une question demeure cependant, pas pour elle, elle est en paix avec son Dieu. La question qui demeure, elle est pour nous aujourd'hui, pour nous les vivants. La question est pour vous, membres de l'Église adventiste du septième jour, pour vous, ses amis, ses enfants, ses petits-enfants. La question est simple. Sommes-nous prêts à suivre l'exemple de Pierrette? Nous l'avons aimée. Elle a été pour beaucoup, on l'a dit ici, une conseillère, une femme de bons conseils. Sommes-nous prêts aujourd'hui à suivre ses pas, suivre sa trace? Sommes-nous prêts à prendre le relais de son action? Sommes-nous prêts, avec de nouveaux moyens, c'est vrai, à entrer dans cette démarche d'impacter la réalité de ce petit pays, la Martinique, avec la parole de l'évangile de Jésus-Christ? Où sont les hommes et les femmes de trempe, femmes de courage, prêts à reprendre le flambeau que dépose ce soir Pierrette? Où sont les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes qui sont prêts à garder la lumière allumée? Ou bien faut-il déjà reconnaître que la prophétie de Jésus est en train de s'accomplir quand il disait « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» selon Luc chapitre 18, verset 1er. Là, je voudrais vous laisser ce soir avec les paroles d'un hymne de consolation. Chrétiens adventistes, nous croyons à la promesse de Jésus. Ce cantique, je le trouve dans le recueil Hymnes et Louanges, au numéro 449. Écoutez les paroles de ce chant. Nous mourrons, mais pour renaître. La mort n'est qu'un doux sommeil. Bientôt, Jésus va paraître. Ce sera le grand réveil.
des profondeurs de l'abîme, de la tombe noire séjour, de la plaine et de la cime. Tous se lèveront un jour. Puis le deuxième couplet de ce chant se dit de cette manière: nous mourrons, mais pour renaître. En quittant le froid tombeau, nous saluerons notre maître. Au seuil d'un monde nouveau, la mort, délaissant sa proie, fuira devant son retour, et de l'éternelle joie, pour nous, brillera toujours. Que Dieu recueille vos larmes, qu'il ravive dans, chez vous, la perspective de son retour prochain sur cette terre, et qu'il renforce dans vos cœurs la promesse faite à tous les humains: je reviens bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil? Ce sont les paroles du numéro 630 de notre hymne et louange. Je vous invite à vous tenir là. Thank you.
Chers amis, nous sommes parvenus à la fin du service ici. Je voudrais demander donc à chacun de garder sa position pour la sortie de la bière. Vous permettrez au préalable que j'adresse mes remerciements à l'église d'Éphèse qui, une fois de plus, nous a permis de tenir ce service ici. Donc soyez remerciés, le pasteur et son équipe. Nous voulons vous rappeler que nous nous retrouverons maintenant au cimetière de Terreville où nous allons former le cortège. Nous le formons de la manière suivante. Il y aura d'abord les officiants, ensuite suivront les porteurs de gerbes, viendra ensuite la bière, la famille et les amis. Je voudrais demander aux agents des pompes funèbres de venir pour faire sortir la bière et ceux qui portent les gerbes de se rapprocher pour les récupérer. Et nous nous retrouvons donc au niveau du cimetière de Terreville pour la dernière partie du service. Merci. Thank you.